Meilleurbien.com vous présente un agent près de chez vous, l'émission qui vous connecte aux meilleurs agents 4.0 sur Radio Immo. Bonjour à tous, je suis avec Patricia Rogliano qui est agent meilleurbien.com dans le 49 à Angers. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir dans cette émission Un agent près de chez vous. J'aimerais commencer par votre secteur géographique, à savoir comment se pratique le métier d'agent dans la région d'Angers. Quel marché aujourd'hui, au regard bien sûr du contexte que nous connaissons? Alors écoutez, le marché de l'immobilier angevin a été très tendu avant le Covid. Et depuis le confinement, il est complètement reparti, mais vraiment à la hausse. Que ça soit la location ou à la vente d'ailleurs, hein. C'est vraiment un marché qui a pris de l'extension. La demande de logement y est très forte. Le problème, c'est que le marché maintenant est très tendu. Beaucoup de futurs acquéreurs, peu de biens à la vente. Et en plus, les prix de l'immobilier ont beaucoup monté avec l'arrivée des Parisiens en nombre dans notre belle région. Voilà. C'est quelque chose qui ressort beaucoup sur les villes de province, cet exode parisien depuis la crise Covid. Pourquoi avoir choisi Meilleur Bien? Alors, j'ai choisi Meilleur Bien, je vais vous dire, j'ai travaillé en agence avant. Moi, ce que je regrettais un petit peu, je fais pas une généralité, mais dans l'agence où j'étais, c'est que il y avait un manque d'humain, c'est-à-dire que l'humain passait après le gain. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'humain, et j'ai pris et choisi Meilleur Bien parce que d'abord, on n'a pas l'impression de travailler, et en plus, c'est un réseau qui est entièrement dans l'humain. Les fondateurs sont dans l'humain, donc forcément, tous ceux qui rentrent, ben, leur ressemblent. Pour vous, les points forts, c'est donc l'humain. Qu'est-ce que vous apporte en plus le réseau? Ben, la digitalisation, hein, totale, ce qui fait que ça permet effectivement de passer plus de temps de qualité avec nos clients en présentiel, en physique, et que tout ce qui est administratif soit fait en un deuxième temps. C'est-à-dire quand je vais à un rendez-vous client, avant, on parlait avec les clients, on faisait signer les mandats. Voilà, donc on mélangeait un petit peu le contact humain et l'administratif. Pour moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on est avec les clients, on laisse l'humain. Et de retour au bureau, après, on rentre dans la partie administrative. Donc, c'est vraiment cette partie-là où on décroche le travail et l'humain. Donc, le 100% digital du réseau vous permet d'avoir plus de temps pour la relation client, si je comprends. Ah, complètement. Puis, on peut plus de qualité. En plus, mais quand il y a des ventes avec en indivision notamment, très souvent, les enfants sont un peu éparpillés dans toute la France, voire plus d'ailleurs. Et le fait d'avoir à prendre en vente une maison en indivision, le fait qu'on puisse faire des mandats électroniques nous permet d'avoir des signatures de 6, 7 ou voire 8 personnes qui sont dans des endroits complètement différents et de les recevoir dans la journée. Comment avez-vous entendu parler de ce réseau? Alors j'ai cherché, comme je vous dis, j'étais en agence avant, j'y étais pas bien, enfin mes valeurs n'étaient pas celles de l'agence et je me suis dit il doit bien exister quand même un endroit où la façon de fonctionner pourrait me convenir. Et ayant Facebook, hein, comme tout le monde, je voyais très souvent revenir meilleur bien. Donc, je me suis permise d'appeler le fondateur, Michael Ben Shabbat. J'ai mis 6 mois avant d'intégrer le réseau, hein, parce que je trouvais que c'était un peu trop beau, le 100% rémunération. Donc, c'est vrai que j'étais un peu méfiante. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec lui. Je lui posais des questions, il me répondait, mais d'une façon très claire et très fluide. Donc déjà, quand on échange avec Michael Ben Shabbat, il y a de la bienveillance, il y a de l'honnêteté qui se dégage de cette personne. Donc, si vous voulez, à chaque fois que j'avais une interrogation, je l'appelais. Et puis un jour, j'ai franchi le cap et je lui ai dit « Écoutez, je suis prête à foncer avec vous ». Un agent près de chez vous, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.